si, do, ré, mi, ré, si, do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, sol, la, ré. Le conservatoire existe depuis 1977 environ, du moins j'ai des archives depuis cette époque. Cette maison était habitée autrefois par des particuliers et nous sommes dans ces murs depuis bientôt 10 ans. Environ 230 élèves sont au conservatoire cette année. C'est une amélioration puisqu'à mon arrivée, l'établissement comptait environ 164 élèves, dont 110 pianistes d'ailleurs, ce qui occasionnait de nombreux problèmes. Conservatoire sont enseignés, en dehors du piano du moins, sont enseignés l'accordéon, l'alto, la clarinette, à partir de la rentrée prochaine le basson, le saxophone, la trompette, la flûte à bec, la flûte traversière, le violon et la formation musicale indispensable pour tous les élèves. L'âge moyen est assez difficile à déterminer puisque nous acceptons les élèves dans l'établissement de 7 à 77 ans. L'essentiel est d'être musicien et motivé. En préparant le concours d'entrée, on se rend compte que les élèves qui viennent de métropole s'intègrent tout à fait dans les classes existantes au conservatoire. On n'est pas obligé de créer des classes au-dessus pour ces élèves-là. Donc le conservatoire municipal de Saint-Denis est tout à fait dans la norme et même, je crois, assez bien placé par rapport au conservatoire de métropole. Il me semble que depuis mon arrivée, il y a eu une grande prise de conscience de la part des élèves, des professeurs et des parents de l'importance de la musique et du travail régulier. Ce n'est pas parce que c'est un art qu'il ne faut pas travailler, au contraire même, les critères de sélection étant beaucoup plus subjectifs que le sport, par exemple. On peut établir quelle personne court le plus vite, mais il est beaucoup plus difficile d'établir le musicien qui joue le mieux. Et je crois que de ce côté, une prise de conscience a été faite par les enfants eux-mêmes. Petite idée que ces concerts promenades, nous avons un groupe de musiciens en général qui est placé sous la varangue et puis ponctuellement des duos ou des trios sont indiqués dans les salles et les gens se promènent au gré de leur fantaisie le soir et écoutent ce qui leur plaît.